De la même manière, enfin, comme Europa Vox, on propose plein de choses musicales dans plein de directions possibles. C'est un peu à chacun son coup de cœur, voilà. À chacun son moment d'émotion, à chacun son moment de folie. Et c'est très très bien comme ça. C'est un peu le principe du rock au sens large aussi, d'être très subjectif. Moi, je me suis toujours pas remis du concert de Richard Rolley, qui a terminé la soirée d'hier, donc samedi, à la coopérative de Mai, qui est un des plus beaux moments de musique que j'ai pu voir ces dernières années, mais tout court. Hein, voilà. Je suis arrivé, parce que je me déplace beaucoup pendant le festival, mais je suis arrivé pour rester 5 minutes, je suis resté 3 quarts d'heure, et voilà, c'était absolument exceptionnel. Un grand moment aussi d'émotion avec un groupe qui s'appelle Instrumenti, qui est un groupe letton, qui a joué au Foyer, et évidemment leur premier concert en France, comme pour beaucoup des groupes qui jouent à Europa Vox. Et voilà, c'est un groupe incroyable, ils jouent avec des costumes de panda, et quand ils ont enlevé leur costume de panda, bah, les deux jeunes garçons qui composent le groupe étaient en larmes. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc incroyable de communion avec le public auvergnat, alors que c'est la première fois qu'ils passaient leurs frontières. Voilà. Et où là, l'esprit d'Europa Vox aussi était clairement présent. C'est assez bizarre parce qu'on se rend compte, on travaille beaucoup avant, et le premier jour du festival, on n'a quasiment plus rien à faire, parce que si on a à peu près bien fait son boulot, c'est-à-dire que chaque membre de l'équipe sait quel est son rôle, quelle est sa tâche, quelle est sa responsabilité, et si on est à peu près bien entouré, chacun s'acquitte justement de son travail de la meilleure manière possible. Et du coup, quand on est directeur de festival, eh ben, on n'a plus grand-chose à faire. Et donc, si ce n'est à avoir toujours quelque part le téléphone à portée de la main pour régler les problèmes qui peuvent survenir, parce qu'il y en a toujours néanmoins. Et puis à un moment, petit à petit, donc au début on stresse parce qu'on se dit c'est pas normal d'avoir aussi peu de travail. Et puis petit à petit on se détend. Et puis là on a envie, et particulièrement, c'est particulièrement vrai qu'Europa Vox, d'aller voir les groupes. Parce que voilà, on est sur la programmation depuis le mois de septembre. On a écouté tellement de choses, on s'est posé tellement de questions, qu'à partir du moment où on a bâti cette programmation-là, on a envie de voir, un, comment les groupes se comportent sur scène, et deux, comment le contact avec le public se produit. Voilà. Et donc moi j'ai passé ce qui est vraiment la partie la plus agréable du boulot, quoi. C'est beaucoup de temps à courir d'une salle de concert à l'autre. Voilà.